Léana Auchard pour une place dans le tableau principal du simple dame de ces championnats d'Europe senior. À 16 ans seulement, elle peut réussir déjà un premier exploit pour sa première sélection avec les grands, avec cette équipe de France senior. Elle est face à Katarzyna Wierdzyn, la Polonaise qui a 7 ans de plus qu'elle, un peu plus d'expérience évidemment chez les seniors et qui elle aussi aimerait bien rejoindre le tableau principal. Léana Auchard en bas de votre écran en bleu, Katarzyna Wierdzyn, la Polonaise en haut, en rouge. Katarzyna Wierdzyn, qui au mois de décembre dernier était en demi-finale d'un WTT Feeder en Italie, à Biella. Elle a de l'expérience déjà dans des grandes compétitions. Je vous l'ai dit, elle a participé aux Jeux Olympiques de Paris. Elle est sortie des qualifications pour perdre ensuite au premier tour. C'est une adversaire redoutable pour Léana Auchard. 2-3-0 lors de ces deux premiers matchs pour la Française. Et tout à l'heure, ce match fou, complètement fou, en fin de matinée, avec ce succès face à Inès Matos, la Portugaise. 3-7-2 après avoir mené deux manches à zéro. Et surtout, après avoir eu 9 balles de match, elle a conclu sur la 9e, la Française. Toujours avec ce coup droit, dévastateur. Main gauche. Ce match, il va être extrêmement tendu, extrêmement serré, parce que pour la première fois dans cette compétition, Léana Auchard va se retrouver avec de la pression qu'elle n'a pas eue sur les deux premiers matchs hier, qu'elle n'avait pas vraiment ce midi parce qu'elle était déjà qualifiée pour ce tour de barrage. Mais là, c'est autre chose. C'est un match à élimination directe. Elle est devant pour l'instant, 5-4. Ça ne lui fait pas peur. Elle va sur toutes les balles pour l'instant. Pas question de remettre des balles faciles à Katarzyna Wierdzyn. Il y a un petit peu de déchets. Et ce coup droit avec beaucoup de rotation pour forcer la faute de la Polonaise. Variété au service, elle l'a tenté. Celui-là, il avait bien marché depuis le début de ces championnats d'Europe, ce bombe longue ligne. Là, ça reste dans la bande du filet. Preuve qu'il y a aussi un peu de pression autour de la jeune Française. Magnifique, ce décalage revers, presque un pivot revers. Elle prend sa chance, Léana Auchard, dans ce premier set. La pression, pour l'instant, elle la laisse un petit peu derrière elle. Opportuniste. C'était bizarre, cette remise de Wierdzyn, qui s'est complètement trouée derrière sur son attaque. 9-6. Et le voilà, celui-là, il est passé. Ce long de ligne, il y a eu un peu de réussite, je pense, derrière pour la Française. J'ai l'impression que cette balle a touché le filet. Première balle de set, les 4 premières pour Léana Auchard. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Elle vient gratter, on la prend. Ce petit brin de réussite, il le faut. Dans un match comme ça, elle s'excuse tout de suite, évidemment. Mais la chance est pour l'instant de son côté. Léana Auchard mène une manche 0. 15-6. Dans une première manche où elle a su se détacher au bon moment. La Française à 5 partout. L'attente a été longue aussi entre la fin de son dernier match aux alentours de midi et cette rencontre à 20h05. Elle était d'abord programmée à 19h25, finalement on l'a reprogrammée à 20h05. On est à 100% aujourd'hui, tous les matchs sur cette table numéro 3. 3 victoires ce midi pour nos 3 Françaises. Une victoire en double dame, une victoire en double mixte. On vise le 6-6 dans cette soirée. Léana Auchard au service pour débuter la deuxième manche. C'est bien, c'est bien. Et si Wierdzyn est aussi passive, ça va être tout bon pour Léana Auchard. Là, cette remise, elle est pas bonne. Elle est haute, elle est au milieu. Là, voilà, ça c'est mieux de la part de la Polonaise, même si derrière, Léana Auchard est sur les jambes. Bien placée.
Il y a du bruit en plus autour de cette table, il faut savoir le gérer aussi parce que c'est l'une des premières vraies soirées avec des matchs vraiment à enjeu puisque c'est des matchs à élimination directe, les dames d'abord, les hommes ensuite. Il y a des Autrichiens aussi un petit peu partout sur les tables. Il y a une Tips Arena qui s'est bien remplie pour la soirée. Là, il faut rester dans sa bulle, bien concentré, c'est ce qu'elle fait. Léa Naouchère, coup droit, revers pour l'instant, tout passe. Il y a surtout beaucoup de fautes chez Katarzyna Vergzin. Pas de temps mort, mais elle profite de ses 6 points pour aller s'essuyer. Elle est menée 5-1. Oh, que c'est bien fait de la part de Léa Naouchère. C'était pas mal servi, mais elle attend que cette balle redescende sous la table pour la remonter avec beaucoup d'effet. Ça, c'est très bien servi, mais c'est bien défendu de la part de Léa Naouchère, ne pas se faire mal. Là, on aurait eu un Simon Gauzy, on l'aurait vu se lancer dans les protections, dans les séparations. C'est bien fait, parce que là, c'est calculé, c'est maîtrisé, le service, il est sortant court dans le coup droit de la Polonaise, et elle sait, Léa Naouchère, que la Polonaise va retourner dans son revers, elle est bien là, elle met le bloc, et derrière, elle reprend tout de suite l'ascendant. Il y a une balle dans l'air de jeu. Un dommage. Ça, c'était une situation qu'elle affectionne pourtant. Elle a mis de la rotation sur une balle qui n'en nécessitait peut-être pas. Service bombe, elle est un peu surprise. Et voilà, Vergzin de retour. Elle était menée 5-1, elle n'est plus menée que 7-5. 4 points pris par les Polonaises sur les 6 qui viennent de s'écouler. Et en voilà un cinquième, elle est de retour à 7-6. Et le temps mort d'ailleurs pris par l'équipe de France. Ça avait été un peu le cas dans son match face à Inès Matos. Elle menait 5-1 à Léa Naouchère. Elle vient de concéder 5 points sur les 7 qu'on a joués. C'est beaucoup trop. Temps mort pris, évidemment. Souci de réception avec l'Autriche, mais si c'est pendant le temps mort, tout va bien. Ça permet très rapidement, avant qu'on reprenne le jeu, de vous donner rapidement le programme de demain. Et on n'a pas tout le programme encore parce qu'il n'y a pas tous les qualifiés, notamment du côté des messieurs. Mais sachez qu'on se retrouvera dès 9h30 demain matin pour une très, très, très longue journée. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses. On ira de 9h30 jusqu'au bout de la soirée. Et à 9h30, on commencera avec un magnifique 8e de finale dans le tableau du double mixte. Simon Gauzy, Pritikapa va te qualifier tout à l'heure face à Mathias Falk et Linda Bergström. Les Suédois, ce sera un sacré match d'entrée dans ce 8e de finale et d'entrée de journée pour nos Français. Bonne sortie de temps mort. 8-6 en faveur de Léa Naouchère. Ça prend la bande, ça sort, dommage. On a des petits soucis de réception. On a de nouveau, comme hier soir, des petits soucis informatiques à Linz. Pas de possibilité pour vous afficher le score. Voilà, l'arbitre qui est à gauche est en train de faire signe qu'il y a un problème avec sa petite tablette de score. Mais on va continuer parce qu'on a le score manuel à droite, 8-7 en faveur de Léa Naouchère. Et 8 partout maintenant. Ça ne marche pas, madame. Elle tente le tout pour le tout sur sa petite tablette. Ça ne fonctionne pas. Et Katarzyna Vergzin prend la tête pour la première fois dans cette deuxième manche. Elle mène 9-8 la Polonaise. Elle était menée 5-1. Elle s'en sort bien, Katarzyna Vergzin, parce que ce service était laid.
Elle mène toujours 9-8 la polonaise. Bien service pour revenir à 9-9, c'est fait. Bien construit, surtout bien démarré. Prendre l'initiative la première avec ce top spin. 9 partout. Et elle a montré ce matin face à Inès Matos qu'elle avait du mental. On va aller chercher ce succès au bout du bout. 19-17 dans la cinquième manche. Et elle va aller la chercher, cette balle de 7. 19 en faveur de Léana Auchère. Balle de 7, balle de 2 manches à 0 pour la Française. Il faut le remporter ce rallye, ça sort de peu. Il y a eu plusieurs fois où on a cru que la Polonaise allait craquer. Et finalement 10 partout. C'est pas toujours la filière qu'elle préfère, Léana Auchère, quand on est comme ça, en top sur top ou à plat. Et là elle va bénéficier quand même d'une deuxième balle de 7, la Française. Et celle-là sera la bonne. Après avoir remporté la première manche, 11-6, elle prend la deuxième, 12-10 sur sa deuxième balle de 7. Elle n'est plus qu'à une petite manche d'une qualification pour le tableau principal. Un set encore à gagner pour rejoindre toutes les copines dans le grand tableau. Je vous parlais du programme de demain et donc de tous les matchs qui ne sont pas encore calés. Mais sachez qu'à 9h30, on aura donc le double mix Simon Gauzy, Pritika Pavad. Dans un match très sympa en 8e de finale. 10h30, 16e de finale du tableau du double féminin avec Léana Auchère justement et Nina Gyozeng pour leur entrée en lice. À 11h05 dans la foulée, double féminin encore. Donc on aura, ça c'est une vraie opportunité, les deux matchs à la suite. Donc on pourra tout vivre vraiment en intégralité avec Charlotte Lutz et Yuan Jianan. Et puis à 12h15 pour l'instant de programmer deux matchs. En même temps, le double masculin avec d'un côté Alexis Lebrun, Félix Lebrun face à une paire danoise costaud, Martin Andersen et Jonathan Gross. Et puis dans le même temps, on aura aussi Florian Bourasso et Stéban Dor. On choisira, on donnera peut-être la priorité au double des frères Lebrun. Et puis évidemment, on aura l'occasion de switcher si à la fin du match des frères Lebrun, ça n'est pas terminé entre Florian Bourasso et Stéban Dor et la paire tchèque qui sera face à eux. Et bien on switchera, on ira sur cette table pour vivre la fin de leur partie. On essaiera vraiment d'être partout au maximum pour vous faire vivre presque en intégralité tous les matchs des Français. À début de la troisième manche, Léana Auchère mène 2-0. On a vu que c'était pas forcément une finalité ce midi avec ce match fou face à Inès Matos. S'appliquer encore face à la Polonaise pour aller décrocher ce ticket pour le tableau principal. Un partout. Ça lui échappe un peu la tranche pour Léana Auchère. Petit problème de placement. Rien de grave. Elle va s'appliquer au service. Bien anticipé la remise de la Polonaise et la réussite qui avait fait sa force dans la première manche est peut-être en train de s'échapper un tout petit peu. Ça tourne toujours dans un match de tennis de table. C'est pour ça qu'il faut au minimum s'énerver ou s'agacer lorsque l'adversaire peut toucher les filets ou les coins de table. On en voit peu, hein, des professionnels qui s'agacent sur ce genre de points. Souvent on reste concentré, on passe à la suite, c'est le jeu. Souvent d'ailleurs ça s'équilibre. La remise est bonne, il a fallu la tirer celle-là pour Léana Auchère et derrière elle s'est pris le bloc en pleine face. 5-2 pour la Polonaise. Cette fois avec un peu moins de rotation, mais une balle un peu moins haute. Et Verzin n'a pas réussi à la bloquer. Magnifique ce bloc, longue ligne. Ça n'est pas terminé. Est-ce que ça a touché? Oui. 6-3 en faveur de la Polonaise. Je pensais qu'elle avait fait la différence avec ce bloc longue ligne. Yeah!
finir. Oh, il faut finir sur celle-là, dommage. Elle était presque trop facile, cette balle à jouer, elle était très courte, ça c'est vrai. 7-3 pour la Polonaise maintenant. Petit relâchement qu'on avait vu aussi dans la troisième manche ce matin face à Inès Matos, qu'elle avait perdu 11-5. Mais une réponse de Léana Hochard, elle n'a pas abdiqué, ça peut aller très vite en tennis de table. Il y avait 7-3, il y a 7-4. Il suffit d'en marquer encore deux pour revenir à 7-6 et mettre le doute dans la tête de la Polonaise. C'est fait avec ce bon revers dans la diagonale. Elle le sait. Katarzyna Wierkzyn, elle prend son temps pour aller à sa serviette. Elle vient de prendre deux points de suite et des sacrés points en plus. 7-5. Et 7-6, les voilà ces deux points dont je vous parlais. On vient de passer de 7-3 à 7-6 et le temps mort immédiatement pris par Katarzyna Wierkzyn. Parce que la Française est de retour dans le match alors qu'on pensait peut-être un temps qu'elle allait abandonner cette troisième manche. Va tellement vite, 7-3, 4 points d'écart, on se dit que voilà, ça va être joué, la Française est un peu moins dedans, elle fait des fautes. Et tout d'un coup, c'est deux coups qui sortent très fort de la raquette, ça la ramène à 7-5. Et là, elle le savait, Léana Hochard, il fallait prendre ce point-là, 7-6, le temps mort, c'était une obligation. Elle s'y attendait, hein, je pense, de toute façon, si elle marquait le point, il y avait temps mort derrière. Il y a des moments où le temps mort, ça clignote. Là, ça a été le cas pour la Polonaise. Pour Katarzyna Wierkzyn. Elle est menée 2-0 la Polonaise. Léana Hochard est de retour dans cette troisième manche. 7 partout peut-être. Et non, dommage. Elle avait bien enfoncé pourtant sur le premier revers. Et derrière, elle se fait prendre un peu dans la profondeur avec cette balle très longue. Pas le temps de se dégager. Allez, tout de suite. 8-7. Elle reste au contact. Encore un, celui-ci. Bien servir, s'appliquer. Quelle défense! Quel réflexe de Léana Hochard sur ce contre! La raquette bien haute et juste avec le haut de cette raquette pour contrer plein centre et reprendre l'avantage dans le point. 8 partout. Elle peut le faire, elle peut passer devant. Bon moment, c'est fait! Quel retour! Elle était menée 7-3. Elle mène maintenant 9-8 Léana Hochard avec 2-7 d'avance. Elle est à 2 points. 2 points d'une qualification. Ouh, ça lui échappe, quel dommage. Elle n'a plus de temps mort. Léana Hochard, mais elle va prendre son temps. Parce que là, il y a 9 partout et elle a 2 services. L'importance d'avoir choisi ou non d'ailleurs le service, j'ai pas vu le toss. Il sort un coup droit qui sort. Elle a voulu aller jouer en ligne pour surprendre un peu la Polonaise. Balle de 7 pour Katarzyna Wierkzyn. 19. Elle est capable de revenir, c'est fait. Énormément de rotation dans stop spin coup droit. Et la raquette de Wierkzyn un peu trop ouverte. Ça lui échappe, ça sort. 10 partout. Balle de 7 sauvée. Et voilà ce qu'on veut. Une première balle de match, le filet s'est rangé de nouveau du côté de Léana Hochard. 11-10 pour la Française, balle de tableau principal avec le service qui plus est. Oh là là, encore ce coup droit qui sort. Elle le force un peu. Elle veut mettre beaucoup de poids dans cette balle pour éviter le contre de la Polonaise. 11 partout. Et il y en aura une deuxième, une balle de match, deuxième balle de qualification pour le tableau principal.
Ça, ça marche mieux quand elle va au corps avec de la rotation. Et là, peut-être un bombe, longue ligne. Non, elle n'est pas allée bombe. Pour varier, justement, le bloc, il est parfait. Le filet, cette fois, du côté de la Polonaise. Et décidément, on est reparti comme ce midi, où la cinquième manche était terminée à 19-17 après 9 balles de match pour Léana Auchard. Elle n'en a eu que 2 pour l'instant. Et il y en aura une troisième. Le point serré, le regard vers son coach. Troisième balle de match pour la Française. Bien servi, très bien servi. Et c'est sur un ace que Léana Auchard conclut cette partie. Elle a déjà tout d'une grande à 16 ans seulement pour sa première participation au championnat d'Europe senior. Elle se qualifie avec un 4 sur 4 pour rejoindre le tableau principal et rejoindre les autres filles de l'équipe de France. Ces filles de l'équipe de France qui sont toutes qualifiées pour le tableau principal. Léana Auchard sort Katarzyna Wergzyn, la triple championne de Pologne en titre. En 3 manches s'il vous plaît. 11-6, 12-10 et 13-11.